Messieurs, bonjour. La conférence va bientôt débuter. Je vous remercie de bien vouloir penser à couper vos téléphones portables et je vous rappelle que les photographies et enregistrements sont interdits. Excellente conférence. Oui, alors bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus un dimanche matin à 11h30 ici pour ces journées de l'ethnologie et pour ce débat qu'on va avoir ensemble aujourd'hui donc autour du thème le corps, les techniques au rituel. Alors je présente d'abord rapidement les gens qui sont ici devant vous. C'est-à-dire, moi je suis Benoît Létoile, je suis directeur de recherche au CNRS. J'ai fait des enquêtes de terrain au Brésil et je travaille sur les musées. Et je suis ici directeur de la recherche et de l'enseignement, qui est le département qui anime ces journées de l'ethnologie. Donc ici, à ma droite, j'ai Pierre Lemonnier, qui est anthropologue, directeur de recherche émérite au CNRS à Marseille, qui est spécialiste de l'Océanie. Mais ce que ne dit pas l'étiquette océaniste, c'est qu'il travaille sur un groupe qui est très loin de l'océan, au milieu des montagnes de Nouvelle-Guinée, notamment il a travaillé sur le groupe des Barouya, qui avait déjà été étudié auparavant par l'anthropologue Maurice Godelier, qui d'ailleurs fête cette année ses 90 ans. Et il a travaillé sur les questions de techniques et de rituels, et a récemment publié un très gros livre sur une journée d'initiation chez les Barouya, à laquelle il avait assisté en 1979, livre qui a déjà été présenté au musée cette année. À ma gauche, Nathan Schlanger, qui est, lui, archéologue, professeur à l'École des Chartes, mais ce n'est pas en tant qu'archéologue qu'il est présent aujourd'hui, mais plutôt parce qu'il s'intéresse à l'histoire de l'anthropologie. Il a publié l'an dernier un livre sur le préhistorien et spécialiste des techniques André Leroy-Gourand, et aussi, c'est un spécialiste de l'anthropologue et sociologue Marcel Mauss, sur lequel il a publié divers ouvrages, dont, il y a quelques mois, c'est une petite édition commentée d'un texte fameux, les années 1930, Les techniques du corps, qui est désormais au programme de philosophie en classe terminale, comme l'est d'ailleurs Mauss lui-même. Et c'est un peu ce qui a été l'idée de faire cette conférence, réfléchir autour des questions de technique du corps et aussi dans ses rapports au rituel. Alors on peut dire qu'il y a un peu deux idées très simples qui sous-tendent un peu les questions de la conférence, qui sont d'une part, en général, vous savez, on dit que la technique se définit par opposition au corps humain. La technique, c'est une espèce de prolongement du corps humain. Je veux attraper un fruit qui est trop loin, je prends un bâton et je fais tomber le fruit. Donc ça, c'est la technique de base, et toutes les autres techniques ne sont qu'une espèce de reprise de ça. Mais du coup, effectivement, là, la technique est le prolongement du corps. Et l'idée un peu de Marcel Mauss, dont on va parler aujourd'hui, cette espèce de coup de génie, c'est de dire finalement, le corps a aussi ses propres techniques, c'est-à-dire que le corps est le premier outil de l'homme, et donc je vais effectivement l'analyser comme tel. Alors, hier soir, ici même, on a eu une initiation au crump. Le crump, c'est une danse qui est née dans les ghettos de Los Angeles. Et donc, on a eu des démonstrations et des apprentissages pour qu'est-ce que c'est que le chest pop. Alors, c'est pour gonfler sa poitrine, etc. Ou le arm swing. Et ensuite, il y a eu pour le public, a pu s'entraîner, a pu justement faire l'apprentissage de ces techniques. C'est exactement ça la technique du corps. C'est effectivement des choses qu'on apprend et effectivement, ensuite on peut les maîtriser, les gens les font avec virtuosité, mais ça a demandé un apprentissage très très long. Et la danse et le sport qui sont très présents dans ces journées montrent très bien ce que c'est que les techniques du corps. Mais il n'y a pas que ça. D'autre part, autre opposition effectivement classique qui est celle entre la technique et le rituel dans l'anthropologie classique. J'y reviendrai.
Et on a effectivement une idée que bon, la technique, c'est une espèce de relation entre un moyen et une fin. Je prends un marteau pour enfoncer un clou, et en revanche, le rituel, c'est quelque chose qui ne correspond pas à une fin, comme ça, ce type de moyen rationnel. Et donc finalement, voilà, j'écarte l'idée de toutes les discussions sur la technique moderne par rapport à l'artisanat, par rapport à l'art, ça c'est une autre chose, hein, c'est, l'art et la technique c'est une autre question. Là c'est vraiment la question donc de rituel et technique. Et donc on va diviser cette discussion en trois moments. Le premier autour de les techniques du corps, qu'est-ce que ça veut dire ? Ensuite, on va s'interroger sur le corps entre technique et rituel. Et finalement, on se demandera, est-ce que cette notion de technique du corps est encore utile aujourd'hui pour faire de l'anthropologie, avant d'avoir une demi-heure de discussion avec vous. Donc, je commence tout de suite à poser une première question à Nathan Schlanger. Pourquoi et comment Marcel Mauss invente-t-il la notion de technique du corps ? Enfin, pour répondre à quelle question il va faire ça ? Oui. Merci Benoît, merci tout le monde d'être là aujourd'hui. Je vais répondre à cette question en disant que le terme paraît de façon assez subite en 1934 lors d'une conférence, c'est ensuite une conférence que Mauss donne dans la Société de psychologie, et est ensuite répandue à travers les sciences humaines et sociales. On va peut-être voir par la suite comment se diffuse cette notion. Alors, la notion de technique du corps, elle est d'une part un peu intrigante, puisque peut-être à la différence de ce que vient de vous dire Benoît sur les techniques comme l'extension du corps, on peut aussi imaginer un dualisme, un schisme, une opposition entre ce qui est mécanique, ce qui est organique, entre le physique et entre le vital. Et donc, peut-être que pour certains d'entre vous, cette notion commence par être un peu paradoxale. En même temps, dès que, et on va voir ça pendant les minutes qui suivent, dès que s'incorpore cette notion, et Marcel Mauss explique très bien comment il arrive à cette conception, elle devient tout à fait évidente et extrêmement productive, hein, puisqu'on va se dire, c'est un moment eureka, hein, ça tombe sous le sens qu'il y a des techniques du corps. Et alors, lorsque Mauss invente cette désignation, oui, effectivement, je vais passer à l'image suivante. Voilà. Lorsque Mauss, que voici devant vous, lorsque Mauss invente cette désignation, il s'appuie sur deux éléments qui, je pense, méritent d'être un peu détaillés. D'une part, ses pratiques d'observation ou de prise de connaissances ethnographiques. L'ethnographie, c'est précisément la capacité de se défamiliariser, de se dépayser et de rencontrer, d'incorporer, d'expliciter, d'interpréter des expériences qui sont à la fois au loin et au près, et de faire justement cet aller-retour entre la proximité et la distance. Donc un premier élément de cette formalisation des techniques du corps, c'est les observations que fait Marcel Mauss lorsqu'il est à l'hôpital. Il voit des infirmières qui marchent, il se dit, cette démarche d'ambulation, je l'ai vue quelque part, mais je l'ai vue au cinéma. Et je l'ai vue au cinéma, et c'est ainsi que les jeunes filles américaines font usage de la marche. En même temps, il lit dans des ethnographies sur la Nouvelle-Zélande qu'il y a des pratiques et des incorporations des pratiques de la marche. En même temps, troisième aspect, il est lui-même... il a passé 4 ans sur le front de la Première Guerre. Il a marché avec les troupes anglaises, avec les troupes françaises, et il se rend compte à quel point la marche est un processus d'éducation. Donc cet aspect-là, de la capacité de l'anthropologie en général de se déplacer et d'adapter des points de vue différents tout en gardant une certaine forme d'objectivité ou une certaine forme de regard distancié qui permet de faire des comparaisons et le rapprochement entre différentes cultures et différentes pratiques, dont les pratiques corporelles. Le deuxième aspect de ces techniques du corps, c'est évidemment la notion de technique. Et la notion de technique, là aussi, Mauss est un innovateur, puisque c'est lui vraiment qui a introduit l'étude des techniques dans les sciences humaines et sociales. Donc, l'étude des techniques qui ne dépend pas
de l'ingénierie, qui n'est pas une question de déterminisme des forces physiques, chimiques de la matière, mais qui est plutôt des formes de pratiques, des pratiques qui ont des finalités et qui se déroulent, et c'est ça l'élément le plus important pour lui, qui se déroulent dans un contexte social. Et, cette conception-là des techniques et de la technologie comme l'étude des techniques va être fondamentale pour l'anthropologie française jusqu'à aujourd'hui, évidemment, et pour les années à venir, et pour les années à venir aussi. Et donc, dans cette conception des techniques, Marcel Mauss ne va pas faire de différence entre les techniques modernes, sophistiquées, la technologie occidentale, et les techniques que l'on observe dans les populations moins développées à travers le monde. Tout sera l'objet de cette même interrogation et de cette même définition qui est les techniques sont des actes traditionnels efficaces. Des actes traditionnels efficaces qui sont poursuivis dans un but physico-chimique et reconnus comme tels. Hein, on va, je pense, revenir un peu sur ces questions-là. Et alors, ce que je voudrais vous montrer là, dans quelques minutes, c'est quelques photographies accompagné de citations. Alors j'espère qu'on peut voir suffisamment clairement, on peut lire les textes. Et alors ce sont des photographies historiques, hein, parce que je suis plutôt historien de l'anthropologie, des photographies historiques qui ont été prises dans les années 20, autour des années 20 en Australie, par un résident local qui s'appelle Thomas Dick. Ces photos sont donc en noir et blanc et elles vont peut-être servir de contrepartie à ce que Pierre va nous montrer tout à l'heure avec ses propres photos beaucoup plus animées. Et donc, c'est un groupe, il s'agit d'un groupe australien, les Biripi, qui sont dans le pays de Galles, New South Wales, et qui ont été photographiés dans diverses postures. Alors, le premier élément que l'on peut voir, c'est évidemment cette définition, le corps est le premier et plus naturel instrument de l'homme. Et plus exactement, sans parler d'instrument, le premier et plus naturel objet technique et en même temps moyen technique, c'est le corps de l'homme. Et donc c'est un constat très fort qui va faire introduire cette notion de corporalité dans les sciences humaines et sociales plutôt que les garder dans les sciences physiologiques ou anatomiques. Je t'interromps pour dire que, bien évidemment, ces citations sont celles de Marcel Mauss. Oui, texte, voilà. Évidemment. C'est de l'article en question, Les techniques du corps de Marcel Mauss, toutes ces citations proviennent, et dont notamment les suivantes, où Marcel Mauss, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous défamiliariser par rapport à nos pratiques évidentes, qui sont le sommeil, ou bien la façon dans laquelle nous buvons. Et il va nous montrer, Mauss, donc, dans ces citations, qu'il n'y a rien de plus naturel, que chaque groupe procède de façon différente. Et la question que l'anthropologue va se poser, d'où proviennent ces différences, que représentent-elles, qu'est-ce qu'elles impliquent pour l'ensemble des activités corporelles et non seulement corporelles des sociétés en question. Je signale, donc, Benoît m'a rappelé qu'effectivement, des citations de Marcel Mauss, qui évidemment, lui, n'a pas vu les photos en question. Hein, il ne s'agit pas de... Mauss n'a pas commenté ces photos-là, c'est moi qui fais cette combinaison. Un autre exemple, justement, parce qu'on a dansé ici hier jusqu'à tôt le matin, c'est ça, ou tard le soir, la question de la danse préoccupe Marcel Mauss beaucoup, les différentes façons de danser, les distinctions que l'on peut faire entre les danses féminines et les danses masculines, le fait que, par exemple, la danse enlacée, la valse, est quelque chose d'absolument abhorrent et incompréhensible pour la plupart des groupes humains qui dansent de façon très différente. Donc, voici quelques exemples. Et enfin, la question de l'adaptation aussi, comment on nage, il raconte, Mauss dans son article, comment lui a appris à nager et comment les techniques d'apprentissage de la nage évoluent en fonction de différents critères, différentes compréhensions à la fois physiologiques et psychologiques. Et ce que l'on voit ici, donc, c'est donc un groupe de ce groupe culturel qui est en train d'utiliser son corps comme un instrument, puisque c'est avec leur corps qu'ils vont chasser le poisson vers le filet. Et ça nous rapproche de cette thématique très importante des techniques du corps, qu'il y a les techniques du corps sans instrument, mais il y a bien sûr les techniques du corps avec. Par exemple,
la façon dont on va mettre en œuvre une force mécanique pour ici tailler des pierres pour éventuellement polir des haches, est un exemple de cette dyade qui se développe entre le corps agissant, hein, le corps en travail, le corps en effort, qui produit un résultat mécanique qui est aussi un résultat culturellement satisfaisant. Enfin, mes deux dernières images. Donc, un autre aspect très important que développe Mauss, c'est le corps et l'apprentissage. L'apprentissage qui est soit par l'imitation, et donc toute la question du prestige, qui est-ce qu'on imite, comment on imite, et évidemment la question de la démonstration de l'éducation. Hein, vous voyez dans ces photos, on montre du doigt. Donc, on utilise son corps pour expliquer des pratiques, dans ce cas-là des pratiques de chasse, comment on tue les serpents. Et c'est un aspect qui est très important dans cette réflexion de Mauss sur les techniques du corps, la façon dont elles sont traditionnelles, c'est-à-dire la façon dont elles se transmettent de génération en génération. Enfin, on peut voir, là c'est la diapo qui est pour passer la parole à Pierre, on peut voir à travers ces photos et à travers cette conception que développe Marcel Mauss du corps, comment les compétences, les connaissances sont intégrées, assimilées par les membres de la société en question, de sorte que tout le monde, là vous voyez la citation, tout le monde sait tout faire. Hein, alors que dans nos sociétés occidentales, là on a eu tout à l'heure un dialogue avec l'appariteur pour organiser l'aspect technique, et donc on est chacun spécialiste, surspécialisé dans certains domaines. Voici une société, et donc je pense que Pierre en connaît d'autres, plus intimement, des sociétés où tout le monde sait tout faire, et tout le monde sait utiliser de son corps en tant qu'instrument mécanique qui produit des effets, et aussi en tant qu'instrument social qui se positionne dans le corps social. Merci Nathan. Alors donc, Pierre Lemonnier, est-ce que le programme de Mauss sur les techniques du corps a été important quand vous êtes parti faire votre terrain sur les barbouillas? Est-ce qu'il vous a guidé dans votre enquête? Est-ce que c'était ou bien c'était pas forcément quelque chose qui a été central dans la pratique du terrain? Alors ça n'a pas été central de fait. L'importance de l'article sur les techniques du corps, c'est comme vient de le dire Nathan, si les techniques les plus naturelles comme marcher, dormir, s'asseoir, s'accroupir, boire sont plus ou moins arbitraire et culturel et susceptible de varier d'une époque et d'un monde à l'autre, alors toutes les techniques relèvent de l'ethnologie. Donc moi, je suis un élève des élèves de Leroy Gourhan, qui était l'élève de Marcel Mauss. On rappelait tout à l'heure que j'aurais pu croiser Marcel Mauss dans ma poussette, etc. Et Leroy Gourhan, quand je l'ai croisé, personne ne connaissait pas encore d'archéologue, qui m'avait dit: ce très vieux monsieur qui a l'air très diminué et qui a du mal à parler, tu peux lui dire tout ce que tu veux, parce qu'il est brillant ici, mais ce que tu vas lui dire va t'intéresser. Donc c'est une rencontre ratée. Donc l'époque où je suis parti sur le terrain, il y a 50 ans, c'est une époque où dominait la notion de système. C'est ce que dit Mauss. Toutes les choses sont reliées les unes aux autres. Et donc je suis parti en toute immodestie d'écrire le système technique d'une société de Nouvelle-Guinée. C'est celle étudiée par Maurice Godelier, sans lequel je ne serais pas ici aujourd'hui, puisque lui a étudié les barbouillas, et s'il n'avait pas fait et les films et les traductions et l'anthropologie qui ont précédé ma venue, je ne pourrais pas parler ici. Donc l'idée, c'était de décrire un système technique, toutes les techniques. Bien évidemment, je ne suis pas parvenu, et parmi toutes ces techniques, il y avait possiblement les techniques du corps, mais les techniques du corps, je les ai simplement regardées. En revanche, au terme de ma communication, si j'ai le temps, parce que le temps passe, je reviendrai à l'intérêt de cette notion pour aujourd'hui. Alors, je dois montrer ma première image. Voilà. Alors, cette première image, c'est un monsieur Ankavé Anga de 1987 qui est en train de battre un tambour pour attirer les esprits des morts récents, les faire passer dans ce tambour qui est un tambour sablier, c'est-à-dire un double entonnoir, et les morts récents vont passer dans un autre monde où des monstres cannibales dévoreront les cadavres des morts récents. C'est une autre histoire. Très bien. Alors, en fait, ça me permet de commencer par une anecdote, parce que j'ai écrit un livre sur cette chose qui s'appelle « Le sabbat du Luciole », mais ce n'est pas important, sur l'imputation du malheur, la sorcellerie, le cannibalisme, et qu'est-ce qu'on fait des morts chez les Ankavé Anga. Mais je n'ai pas cité l'anecdote dont je vais dire deux mots maintenant. Donc, il y a, à l'époque, le premier fois où nous avons vu cette cérémonie dont les Ankavé nous avaient dit qu'elle était importante, nous, c'est ma collègue Pascale Bonnemère, qui est également la mère de mes enfants, et deux petits-enfants sont venus dans la maison,
Opingoné, qui devait avoir 7 ans, et puis son petit frère, qui devait avoir 5 ans et demi. Et tout de suite, ils étaient tout propres, comme des sous-neufs, avec un beau petit pagne tout neuf, une jolie cape d'écorce tout neuf. Et la fillette a dit, tu vas voir, nous, les femmes, ce soir, on fait comme ça avec nos pagnes qui se balancent, et les types, ils font comme ça, comme ça, comme ça. Qu'est-ce qu'elle venait de me dire, cette gamine merveilleuse? Elle venait de me dire, les techniques du corps différenciées selon le genre sont centrales dans cette institution Chasser les morts récents, qui est une des deux institutions clés de notre société, l'autre étant les initiations masculines. Donc ma première série d'images concerne les enclavés hangars. Ça se passe là, c'est le petit point rouge. Hop, mon pointeur. Voilà la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Hop, ça c'est les territoires hangars. 130 km sur 140, à peu près 150 000 personnes. J'ai marqué deux territoires. En hachure, c'est les enclavés hangars. Les barouillas, dont je vais parler longuement dans la seconde partie, c'est-à-dire 10 minutes et 30 secondes, sont là à Maharawaka. Alors ce monsieur, bah, c'est les techniques du corps. Hein. En fait, je n'ai pas trouvé la bonne diapo. J'en avais une où on voyait plein de gens le matin froid glaceux avec une cape d'écorce bien au chaud. Et puis 6 ou 7 hommes qui étaient venus nous voir du groupe d'à côté, qui eux étaient tous torse nus, avec les bras sous les mains sous les bras comme ça, pour se tenir chaud. J'en profite pour dire quelque chose d'important. Il n'y a plus d'hommes à l'âge de pierre en Nouvelle-Guinée. Il y a belle lurette qu'il n'y en a plus. Je dis ça parce que pour avoir eu un procès à ce propos, je peux vous dire que c'est le droit et le devoir de l'anthropologue de rappeler que tout documentaire montrant des hommes à l'âge de pierre est un documentaire un peu, d'un certain point de vue, douteux. Donc ça, c'est l'an 2000. Je ne sais plus le nom de ce monsieur, mais je le connais bien parce que 3 ans plus tôt, il m'avait foncé dessus la hache levée pendant les initiations pour le père d'un premier enfant. C'était pas moi, mais moi aussi, j'avais un premier enfant. Il m'avait pas fait le coup. Et pendant 20 secondes, je me suis dit, t'as peut-être dépassé les bornes. Enfin, c'est une autre histoire. Donc, je ne me souviens plus de son nom, mais je me souviens bien de lui. Celle-là est très chouette. C'est un rhombe qui tourne. Un rhombe, c'est une lame sonore qu'on fait tourner. C'est totalement épuisant. Moi, je tiens 10 secondes. Et c'est une autre technique du corps tout à fait spécifique. Et à ce propos, tous les archéologues qui font de l'archéologie expérimentale et qui font ouin, 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 me font beaucoup marrer parce que c'est pas comme ça. Tout le corps. Mais si je le fais devant vous aujourd'hui en étant un peu stressé, je vais me faire sauter une vertèbre et c'est pas, ça ne s'impose pas. C'est vraiment un geste de tout le corps et qui est totalement épuisant. Donc ma première série... Je continue, pardon. J'ai déjà perdu ma page. Voilà la technique du corps. C'est une dame qui est accroupie. Il y a des gens aujourd'hui, des collègues, qui se demandent si les postures du corps des femmes et les postures du corps des hommes sont les mêmes selon les activités. C'est à étudier de façon comparée. C'est très compliqué. Le petit pied, pour la petite histoire, mais ça rejoint le petit pied là, c'est le pied d'un bébé. Je dis ça parce qu'en 1905, un grand administrateur de Nouvelle-Guinée avait dit « Le soir de Noël, nous avons vu passer des jambes qui dépassaient d'un sac de portage. » Alors, qu'il y ait des cannibales chez les hangars, c'est une certitude, ou qu'il y en ait eu. Mais en attendant, là, c'était simplement le portage des bébés. Ça, c'est deux dames, et c'est une façon d'illustrer les rapports hommes-femmes dans cette société du monde. Les anthropologues ne savent pas expliquer ça, mais le plus nullissime des bons hommes, qui n'est pas capable de cultiver son jardin, de rapiécer sa maison, qui est toujours un pique-assiette, sera toujours supérieur à la plus grande des femmes, vieille dame, costaud, baraquée, chamane, plein de petits-enfants. Il suffit qu'il ouvre ça, qu'il la ramène un peu fort, la dame toujours sera en position inférieure. Ça, c'est voilà, le genre de choses que j'aurais très bien pu étudier. Je pense que ça s'est tenu. J'en suis resté à la photo. C'est une dame qui est en train de fabriquer une cordelette pour tenir les petits cochons en laisse. Ça, c'est une attitude typique d'une maman d'initiée du premier stade des initiations. Elle est là, elle est recluse, elle ne bouge pas, elle ne travaille pas. Elle met une cape d'écorce qui la représente elle-même et une autre cape d'écorce qui représente l'enfant. Ça, c'est le tambour dont je parlais tout à l'heure, celui qui permet de faire passer les morts dans l'autre monde, et on le fait passer avec leur corps, avec son corps. On reproduit nuit après nuit le tourbillon d'où est apparu le premier tambour, et on manipule le tambour en le mettant vers le centre du tourbillon. Donc là, cette façon d'utiliser son corps dans cette cérémonie que m'avait signalé la petite fille Opingoné, elle est centrale dans cette institution. Si ces gens-là passent une partie de leur vie à chasser les morts récents, c'est tout simplement parce que la vie que vous a donnée votre oncle maternel, qui est le frère de votre mère, vous ne pourrez jamais lui rendre. Non seulement il essaye de vous tuer parce que c'est un monstre cannibale, mais en plus de ça, il va finir par vous boulotter dans l'au-delà. Mais ce n'est pas le thème du jour. Cet objet, c'est une barrière chez les barouillas dont je vais vous parler dans 12 minutes. C'est une barrière qui est très très costaud, très très solide, très très haute. Mes collègues m'avaient dit « Oui, mais c'est des cochons barouillas, ils sont très forts. » Ça, c'était une plaisanterie. Et cette barrière, elle dit 3 choses.
Elle montre la force des hommes qui la construisent, leur corps, qui, je vérifiais, c'est Ahan, qui, Ahan, les types sont... Il montre la force collective des hommes et il montre, sans mots, en construisant cette barrière, trois contradictions clés de cette société. Un, les rapports entre les hommes et les femmes, auxquels j'ai déjà fait allusion. Deux, l'obligatoire coopération entre des co-initiés qui n'ont pas plus envie de coopérer que vous et moi, ou enfin, du moins, pas tous les jours. Et trois, la bonne entente entre les beaux-frères. Cette barrière qui est anormalement solide, elle dit ça. Elle dit sans mots les tensions, trois types de tensions internes à cette société. Et ça, cet objet, c'est un piège à anguilles, vu aussi en 1987, des anguilles sont données dans le cadre des rites mortuaires. Et c'est l'objet qui, moi, m'a fait faire le progrès de passer de mon programme maussien, d'écrire les techniques de la côté gauche, et de faire de l'anthropologie ordinaire du côté droit. Le mariage, l'imputation du malheur, l'invisible, l'arrivée des missionnaires, tout ce que vous voudrez. Grâce à cet objet, j'ai fait le lien. Et ça, ça m'a pris 20 ans. Cet objet, il est utilisé pour capturer des anguilles, qui ne sont pas tout à fait des anguilles, mais l'autre morceau du pénis du premier homme qui a été mis à la bonne distance par une dame. Quelle dame va déclencher les ressorts qui sont ici alors qu'ils sont présentés de cette manière? C'est donc un acte technique. Est-ce que les ressorts, est-ce que le piège va fonctionner? Il est volontairement décoré pour demander poliment au maître des anguilles de bien vouloir expédier les anguilles. Cet objet, il est mythique, genré, rituel, technique. Et au lieu de se demander, comme on se demandait dans les années 90 et 2000, qu'est-ce qui fait que tout est mélangé dans les techniques, on met un peu les choses au plat et on essaye de... à plat, c'est sûr, pour essayer de savoir en quoi les techniques, et notamment les techniques du corps, ont-elles la capacité de mêler divers aspects de la réalité sociale. Et normalement, c'est ma dernière image. Merci beaucoup, Pierre. C'est un peu comme les arias à l'opéra. Donc, la deuxième séquence de cette discussion, on voulait revenir sur la question effectivement des rapports entre rituel et technique. Et donc, je disais tout à l'heure effectivement, donc l'anthropologie classique rationaliste, on pourrait dire, il y a cette opposition avec l'idée que la technique, effectivement, c'est un rapport rationnel entre un moyen et une fin. Et un autre grand anthropologue classique, Bronislav Malinowski, qui lui a travaillé aussi en Océanie, mais du côté des îles trop brillantes, les îles pas très loin de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans un article qui s'appelait « Science, magie et religion » dans les années 1920, il disait, voilà, il prenait un exemple, il disait, en fait, les trop brillandais qui sont des grands marins, quand ils vont naviguer sur le lagon qui est chez eux, c'est pas très dangereux, etc. Donc, bon, ils savent naviguer, ils utilisent des techniques. Mais quand ils font des grandes expéditions d'île en île qui sont très dangereuses, à ce moment-là, ils vont utiliser la magie, ils vont faire tout un ensemble de choses. Donc, c'est l'idée, effectivement, que quand la technique est suffisante, ça va. Et quand, au contraire, c'est la situation, on n'a pas de maîtrise, c'est l'incertitude, à ce moment-là, on a recours à la magie, au rituel. Et donc, cette opposition, elle est structurante, en fait, dans toute une partie de l'anthropologie. Alors, elle n'est pas strictement liée à une opposition qui serait entre nous, les Occidentaux qui avons la technique et les autres qui ont le rituel, mais c'est quand même un peu une tendance parfois, voire un risque qui peut t'arriver. Je rappelle aussi que pour Marcel Mauss, la notion de technique du corps, hein, comme l'a bien dit Nathan, n'est pas uniquement en fait travailler sur les autres, mais parle d'abord de l'observation de nos propres corps, de nos propres façons de faire à nous. C'est cette comparaison qui permet d'y réfléchir. Donc, du coup, cette question entre technique, finalement, l'opposition entre technique et rituel, est-ce qu'on peut l'appliquer au corps? C'est un peu la question. Est-ce qu'on peut effectivement revenir sur la question technique du corps, rituel du corps? Est-ce que ça a du sens d'utiliser cette opposition pour réfléchir en anthropologie? Donc, Nathan, d'abord. Oui, vaste question. Alors, je pense que l'apport de l'ethnographie, c'est-à-dire de la rencontre de l'autre, c'est précisément de reproblématiser cette question que nous pensons, nous occidentaux rationnels modernes, pensons avoir réglé de façon tout à fait claire et cohérente entre ce qui est du domaine du pragmatique, de l'utile, du matériel, du positif, et ce qui est du domaine de la croyance,
de la superstition, éventuellement, de la religion. Et ce que fait quelqu'un comme Marcel Mauss et d'autres évidemment sur le terrain, c'est de nous soulever la question sur les proximités et les distances qu'il peut y avoir entre une activité technique qui est donc gérée par, enfin qui inclut des contraintes matérielles, des contraintes de productivité, de résultats, d'effets, avec cette question de rituel. Alors, quand Marcel Mauss essaye de définir les techniques, il va commencer par rapprocher les techniques du rituel. Hein. Il va dire que l'acte technique et l'acte physique sont confondus chez l'agent. Donc l'agent, l'acteur est un acteur qui est à la fois technique, est un acteur religieux et symbolique. Et une fois qu'il a fait ce rapprochement, sur la base de ce rapprochement, il va essayer de faire des distinctions. Hein. Il pose la question, quelle est la différence entre l'acte technique, l'acte traditionnel efficace de la religion, l'acte traditionnel efficace qui est symbolique, celui qui est juridique, celui qui porte sur les actes de la vie en commun, les actes moraux, et celui des techniques. Et il va dire, c'est que l'acte traditionnel technique est celui qui est ressenti par l'auteur comme un acte mécanique, physique ou physico-chimique et qu'il est poursuivi dans ce but. C'est-à-dire qu'il va forcer l'anthropologie à rentrer en dialogue avec les peuples, les populations qui l'observent afin d'essayer d'éliciter la façon dont ces populations elles-mêmes conçoivent de leur comportement. Alors que le comportement peut être observé par ailleurs, Marcel Mauss nous dit que ce n'est pas suffisant. Si vous voulez comprendre la différence entre le magique et le technique, vous devez faire un pas supplémentaire et intégrer dans votre démarche, dans votre recherche, la perspective, le point de vue, les attentes, les imaginaires des populations que vous étudiez. Alors, je montre en deux minutes donc la production, comme vous pouvez voir ici, la production d'un bouclier qui va être extrait d'un arbre. Et là, il y a une séquence d'images, je ne sais pas à quel point on les voit, la séquence d'images où on voit l'activité technique et ce que, je ne sais pas si Pierre l'a mentionné, cette notion de chaîne opératoire, c'est-à-dire la chaîne de production qui mène de l'étape brute, hein, l'arbre avec son tronc, à travers toute une gamme d'activités, donc la mise en œuvre de moyens, des outils, des forces, évidemment aussi du savoir-faire, des compétences, pour extraire un objet qui va ensuite être culturellement accepté et intégré dans un système culturel. Et cette chaîne opératoire-là, la suivi de cette chaîne opératoire, cette méthodologie-là, est un moyen qui nous permet justement d'essayer d'éliciter quelles sont les parts des préconceptions, des représentations que se fait l'acteur technique de ce type d'activité. La deuxième image que je vous montre, c'est autour d'un tronc. Hein, vous voyez donc trois images autour d'un tronc d'arbre. Dans la première, c'est la même, je reprends celle de tout à l'heure, où on voit une activité manifestement technique, hein, puisqu'il y a de la force, de l'énergie, du travail, de l'effort pour extraire un bouclier. Dans l'image du milieu, il y a une étape un peu différente, puisque l'on voit trois hommes, dont un explique aux deux autres ce que l'on voit sur la santé, ce que l'on voit sur le tronc d'un arbre, où on voit effectivement la représentation d'un kangourou, avec du coup cette possibilité, est-ce qu'il s'agit là d'une activité magique en rapport avec la chasse au kangourou, ou est-ce qu'il s'agit éventuellement d'un moment d'éducation, de présentation, de voici la proie, d'une façon plus pragmatique, voici la proie qu'il nous faudra chercher à accéder. Et le troisième tronc que vous voyez avec l'homme tout seul, c'est déjà un tronc qui est décoré par une ornementation qui est typique donc des aborigènes australiens de cette région et qui fait partie d'un rituel dans lequel s'insère l'activité qui est aussi une activité technique. Donc je montre ce dégradé et dans une seconde Pierre va le
je pense, élaborer là-dessus. Mais ma dernière image, je voulais quand même la montrer. Ma dernière image, c'est, je ne pouvais pas passer sous silence les photos que je vous ai montrées, pour vous rappeler encore une fois, il s'agit de photos prises dans les années 20 et 30 par un photographe australien blanc qui rentre en contact avec des groupes indigènes et qui travaille ensemble avec eux à une expérimentation ou une ethnographie dans laquelle les groupes australiens vont remettre en œuvre leur forme d'activité. Donc, ce sont des photos qui sont des mises en scène, qui vont différer, peut-être Pierre va commenter là-dessus, qui vont différer des photos que Pierre a pris lui-même. Non seulement il y a une mise en scène, mais mon dernier point, c'est, vous voyez en bas à gauche, évidemment, l'ombre du photographe. L'ombre du photographe, pour nous rappeler encore une fois qu'il s'agit de représentation. Nous ne sommes pas là-bas avec eux sur le bush. Nous sommes des observateurs qui regardent avec nos clés de lecture, notre clé de lecture à nous. Et donc, c'est la magie, puisqu'on parle de magie, hein, c'est la magie de la photographie, le déplacement de cette technique que je voudrais attirer votre attention. Merci Nathan pour ce rappel. Je profite pour dire, parce que ces photos, je ne les connaissais pas avant que Nathan me les ait fait découvrir sur Écorce. Et c'est intéressant, vous pourrez après la conférence aller voir sur le plateau des collections. On a des collections d'œuvres d'art sur écorce d'arbres. Alors, je ne sais pas si c'est ce groupe culturel-là, qui vient d'Australie, qui sont tout à fait magnifiques à quelques mètres au-dessus de cette salle. Pierre. Oui, alors j'embraye. Pardon. J'embraye avec la charrue. Voilà, la technique de la... Hop. Donc moi, je vais parler sur des photographies, mais je dois encore répéter que si l'anthropologue Maurice Godelier, qui a bossé chez les autres, qui a travaillé chez les Barouya à partir de 1967, n'avait pas fait son travail, s'il n'avait pas appelé le cinéaste Yann Dunlop, on n'aurait pas 23 heures de film sur les initiations masculines de ce groupe. Et je n'aurais pas pu travailler 10 ans dessus et écrire 500 pages dessus maintenant. C'est une nécessité absolue. C'est comme ça aussi l'anthropologie. Donc ça, c'est un rituel, il faut en parler. C'est les initiations masculines. Donc en effet, ce n'est pas une technique. Je l'ai décrit avec une chaîne opératoire, parce que j'ai appris à faire comme ça. Une chaîne opératoire, c'est simplement raconter ce qui se passe. Le type fait ça, avec ça, la dame aussi, voilà les objets, les matériaux et tout ça. C'est juste pour savoir ce que vous ne savez pas, puis mettre les choses à peu près dans l'ordre et les repérer au moment où vous le voulez. Le rituel n'est évidemment pas une technique. Quand vous demandez l'aide du soleil, que je vais vous montrer tout à l'heure, vous demandez l'aide du soleil pour transformer les relations d'un petit garçon avec sa mère ou le petit garçon avec les co-initiés, il n'y a pas de lien. Hein. L'exemple classique, c'est je crache en l'air et je claque des doigts pour éloigner la pluie. Le rituel, c'est un rituel dans lequel les actions matérielles tiennent une place que l'on ne soupçonnait pas. Et en particulier, les actions matérielles ne sont pas toutes des signes. Il y a des actions matérielles qui sont là en tant qu'elles-mêmes. Dans cette initiation des Barouya, je dois vous dire deux mots de la société Barouya, parce que sans quoi ça n'aurait pas beaucoup de sens. À l'échelle de la Mélanésie, où l'on connaît, sait, on connaît ce rituel, le dernier était fait en 2013, et c'est probablement terminé. À l'échelle de la Mélanésie, on connaît des chefs indiscutés, des pygmènes organisateurs d'échanges. Les Barouya se distinguent de deux manières. La première, c'est par le pas très bon sort fait aux femmes. Le second, et c'est extraordinaire, c'est par la mécanique par laquelle ils maintiennent les gens. Ils font rentrer dans le rang tous ceux qui s'élèvent temporairement au-dessus des autres. Parmi ceux qui s'élèvent temporairement au-dessus des autres, il y a les hommes qui détiennent des koïmatniers. Ce qui sont ces machins-là, c'est un, deux, trois petits objets qui sont un peu plus sacrés et un peu plus secrets, et qui ont été donnés par le soleil, père des Barouya. Donc ce n'est pas rien, ces objets-là. Ces gens-là ont droit de vie et de mort le temps des initiations, y compris, dit-on, de tuer un gamin parce qu'on pensait qu'il aurait parlé aux femmes un jour ou l'autre, et là, il n'y a rien à dire. Dès que les initiations sont terminées, c'est un homme quasiment ordinaire. On ne l'enverra pas en première ligne pendant les combats, parce que quand même, il a l'objet donné par le soleil et on a besoin de lui. Alors, il a besoin de lui, mais il n'est pas tout seul. C'est ça, ce système formidable de répartition du pouvoir. Là, il y a quatre hommes à Koïmatnier, il y a quatre hommes puissants qui peuvent faire les initiations du premier stade. Puis il va y avoir quatre autres qui peuvent faire le deuxième stade, etc. Donc en fait, c'est des gens hyper puissants qui reproduisent la société de la manière dont je vais vous parler, mais il y en a une dizaine. Aucun ne peut se lever au-dessus des autres. Donc c'est un système assez extraordinaire dans lequel il n'y a pas d'ébauche de pouvoir sur autrui.
au prix d'une réelle maltraitance des femmes. Ces gens-là, une fois que les initiations sont finies, ils coupent leur bois, ils font leur... etc. Encore les colimaçonniers qui frottent les gens. Alors, faut que je vous parle des fonctions de ces initiations. Il y en a plusieurs. Surtout, quand on étudie un rituel, il ne faut pas se dire, et notamment ce rituel, ce qu'il fait des corps et ce qu'il fait sur les corps et que font les corps qui le font fonctionner, il ne faut pas se dire qu'il n'a qu'un objectif. Ça, c'est une très mauvaise idée. L'un des objectifs, c'est de préparer les guerriers à la guerre. Ah, ça, c'est un village Barouya. Là, il y a un torrent qui passe entre les deux. Et de l'autre côté, c'est le village des ennemis Yuarunache. Et ces initiations de 79 ont été tellement efficaces que nous, les Barouya, on a gagné la guerre de 1983 quand elle a repris. Voilà la guerre. Bon, enfin, ils fêtaient la mort d'un ennemi tué au combat. Alors, inégalité entre les hommes et les femmes, système formidable pour faire en sorte qu'aucun homme ne s'élève au-dessus des autres. Troisième caractéristique de cette société, et c'est directement lié à l'organisation de ces rituels qui agissent donc sur les corps et par les corps, c'est qu'en Nouvelle-Guinée, ce sont les femmes qui font les bébés, mais pour un Barouya ou pour plein de populations des hautes terres de Nouvelle-Guinée, l'idée qu'une femme puisse fabriquer un guerrier, là, ça fait franchement rigoler tout le monde. Quelle est la solution? On tue symboliquement les gamins, mais vous allez voir que ce n'est pas si symbolique que ça. On les fait renaître au bout d'un certain nombre d'années, chez les Barouya, au bout d'une dizaine d'années. Il faut bien que vous voyez, donc on les éloigne d'abord des mères. Cette image est terrible. Moi, j'étais tellement tremblant que j'ai raté mes images ce jour-là. L'image du regretté cinéaste Yann Dunlop, qui est aussi célèbre pour avoir filmé, produit un film qui s'appelle First... comment ça s'appelle ? Desert People, noir et blanc, muet sur les derniers aborigènes qui sortent de la forêt. Ça a déjà été projeté ici plusieurs fois. Là, les mamans et les petites sœurs voient les gamins monter vers la forêt. Mais chez les Barouya, on ne peut parler à sa mère que quand on a deux enfants. Donc, compte tenu de la mortalité dans cette région du monde, les mamans voient les gamins s'éloigner à jamais. On va pouvoir échanger des sourires au bout d'un moment, on pourra manger en leur présence, mais parler, il fallait avoir deux enfants. C'est d'une violence absolument inouïe. Donc, solution. On tue les enfants, symboliquement, mais pas tout à fait. On les met sur une trajectoire létale, en agissant sur leur corps. On les met aussi près que possible de la mort. Parce que une plaie, c'est comment ce truc ? Voilà. Une plaie au nez, une fois sur 100, ça s'infecte. Ça fait une méningite et les gens meurent vraiment. Pour faire bonne mesure, non, c'est pas celle-là, mais c'est pas grave. On les fait renaître comme on fabrique un être humain. Donc si vous pensez que vous fabriquez les êtres humains avec du sang maternel, dans d'autres groupes de Nouvelle-Guinée, vous les enduisez d'un substitut de sang féminin. Si vous pensez que c'est la substance masculine, le sperme en l'occurrence, qui les fait grandir, par les temps qui courent, on leur fait absorber la sève de ce grand arbre pour les remplir de sperme. Ça, c'est un marquage dans le corps. On renaît en deux temps chez les Barouya. On renaît, mais c'est marqué dans le corps. On renaît comme un têtard parce que l'origine des initiations, c'est des eaux qui ont été jetées dans une mare, sont sorties des têtards. Une femme a donné des... Ils sont transformés en hommes, etc. Donc, ils renaissent en deux fois. Ce sont les actions sur la peau multiples. Les femmes elles-mêmes sont en train d'éliminer les influences féminines que les petits garçons ont accumulées près de leur mère et près des femmes d'une façon générale pendant des années. Ça, c'est la séparation terrifiante des mères. Alors, j'insiste sur ce point. L'attachement à l'enfant, d'après la psychologie de Bowlby, la psychologie de l'attachement entre la mère et l'enfance, c'est fondamentalement trois choses. Le regard, dont je vais parler dans quelques minutes, les caresses et la confiance. Là, c'est votre mère elle-même qui vous amène entre deux rangs de guerriers qui vont vous fouetter. Voilà pour la confiance. On vous dit que le monsieur qui vous porte, c'est comme une mère de substitution. Merci pour la mère qui m'emmène me faire fouetter. Et le regard, je vais en parler après. Ça, c'est également le traitement des corps. Ce sont les objets donnés par le soleil qui frappent les corps. Alors, le point important que je voulais signaler, c'est que il y a des actions physiques sur les corps qui ne sont pas signifiantes. Pour les Barouya, la sueur, quand on produit de la sueur, elle entraîne avec elle les impuretés, les saletés accumulées au contact des femmes.
Mais le brasier que vous voyez là et autour duquel on tourne pendant des heures, il n'est pas magique. Personne, aucun pouvoir n'est en lui, sauf celui de durer toute la nuit. On a fait une petite magie pour qu'il fonctionne bien pendant des heures. Il est là pour produire de la chaleur, il est là pour chauffer les corps. Le rituel, cette cérémonie Mukka de 1979 et les autres, est un rituel dans lequel des actions physiques, mécaniques sont voulues en tant que telles. Même chose, là le gamin, ce monsieur, et on mérite vraiment, enfin ils méritent tous qu'on dise leur nom, ce monsieur a amené le premier blanc dans la vallée en 1951, il s'appelait Dawatnier. Donc Dawatnier est en train d'expliquer à un gamin comment on doit serrer, un gamin et tous les autres écoutent, comment on doit serrer sa cape. Il vient de mettre lance de petits filets de portage pour bien faire un capuchon et on leur met une ceinture pour faire bonne mesure. On leur dit, vous regardez vos pieds, vous regardez pas les femmes. Si moi je vois un initié du premier stade qui par définition s'appelle celui qui porte une cape à 300 mètres, c'est un signe. Je sais que c'est un initié du premier stade. Mais au moment où on lui met la cape et pendant qu'il la porte, cette cape n'a aucune valeur symbolique. Elle est une nappe étanche qui coupe leur regard. Barouya et les autres hangas de Nouvelle-Guinée coupent trois liens d'attachement à la mer qui sont les coups, à la place des caresses, la perte de la confiance et l'interdiction de l'échange de regards. Je ne sais pas ce que montre la suivante. C'est effectivement un enfant à qui on vient de percer le septum nasal. Alors, il y a également une coprésence des corps. Moi, je ne sais pas écrire sur la coprésence des corps, mais les corps sont ensemble lorsqu'ils dorment, dans la maison, lorsque ce monsieur repère sur eux les petits signes qu'ont laissé des esprits qui sont venus pendant la nuit pour distinguer certains seulement d'entre eux, qui seront grands guerriers, grands chasseurs et des choses, ou grands chamans. Ils sont également côte à côte, tous ensemble. J'ai raté toutes mes photos, ça l'aide moi quand même, mais j'ai raté toutes mes photos ce jour-là. Quand vous voyez trois types qui descendent en criant, quatre types qui descendent en criant, dont trois ont un objet donné par le soleil, et que votre prof Maurice Godelier vous en parlait depuis 10 ans, vous avez les jambes qui tremblent, littéralement. Ils sont là côte à côte. Et ils sont là pour qu'on fasse ce qu'ils attendent qu'on leur fasse, c'est-à-dire leur percer le septum nasal. Ils sont tous ensemble. Ils sont encore tous ensemble, là, les voilà. Ils sont tous ensemble. On leur explique, ça c'est de la monnaie de sel des Barouya de Nouvelle-Guinée, et on leur explique ce qui va leur arriver si jamais ils parlent aux femmes. On va donner des monnaies, des initiations. Ils parlent aux femmes, ils parlent des initiations aux femmes. On va leur donner des monnaies. Et alors c'est très vivant, d'ailleurs, on ne voit pas très bien, mais on voit très bien quand même. C'est une liane de patates douces. Et on leur dit, ce n'est pas une liane de patates douces. Ce sont tes intestins quand on t'aura filé une flèche barbelée dans le ventre si tu parles aux dames. Ça, ils l'entendent tous ensemble et c'est en leur corps à jamais. Pour les manières de tuer symboliquement, l'une des manières de tuer symboliquement, c'est de les frotter d'ortie, les gamins. Mais ceux qui me racontent ça disent, mais tu sais, ça fait atrocement mal, tu en sais quelque chose, puisque toi aussi tu t'es frotté dans des orties de Nouvelle-Guinée. Mais c'est pas ça. Ça volette tellement, il y en a tellement. Il y a des petites particules, des chatons. Et on tombe dans les pommes, on est asphyxié, on vomit. Trois manières de. Bon, le point que je voulais souligner, c'est la fin de mon affaire probablement. Le point que je veux souligner, c'est Nathan a rappelé à juste titre la seconde partie de la définition de la technique selon Marcel Mauss. Geste traditionnel efficace, senti, voulu par l'acteur comme physique, physico-chimique et je ne sais plus quoi. C'est crucial parce que les 99% des anthropologues ne conservent que la première partie. Vous n'êtes pas obligé de vous ennuyer avec les techniques en tant qu'elles font quelque chose. Comme disait notre défunt regretté Latour, comme dit Pierre Lemonnier, les techniques, c'est quand on tape par terre et que ça fait boum boum. Bah oui, là, il y a un effet physique, absolument. Et c'est ça qu'il met en avant. Au milieu de cette initiation, ce qui compte, c'est estimer par l'acteur. Si vous pensez que l'esprit, il a une configuration physique, même si vous ne la voyez pas, vous contraignez les corps. Vous les frappez, là, vous les frappez simplement avec avec des racines. Vous frappez les gamins, ils ont peur. Leur esprit se sauve dans la galerie qui est secouée de façon à envoyer dans l'espace l'esprit à décrocher, dans tous les sens du terme, des gamins bien secoués qui part près d'un grand arbre auprès duquel on les soulève. Dans ce grand arbre, il y a un piège fabriqué par les chamans dans lequel le soleil rentre. Et c'est là qu'il est en rencontre avec les esprits des mômes. Je ne sais pas ce que c'est que l'image suivante. C'est la dernière. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Je ne sais pas. Celle-là est juste parce qu'elle est jolie. C'est des petits initiés, puis c'est pour tenir dans les temps. Donc, vous avez... Voilà, je reviens à la question de départ. Bien sûr, le rituel n'est certainement pas une technique, sinon tout est une technique. On a un de nos collègues immensément savant, par ailleurs, qui dit bah, la parenté, c'est une technique pour fabriquer les enfants, et puis la magie, c'est une technique pour fabriquer... D'accord, dans ce cas-là, si tout est technique, que devient le programme de Marcel Mauss? Voilà.
dans cette domination. Mais entre le début, transformer des relations, éloigner d'une femme, des femmes, les mères, pour rapprocher d'autres femmes avec lesquelles on aura une sexualité, des rapports sexuels, sans pour autant devenir des mollassons à la guerre, le soleil là-dedans, ou les orties, on ne voit pas très très bien le rapport. Donc c'est un rituel dans lequel les opérations techniques, qui ne sont pas que symboliques, tiennent une place centrale. Merci Pierre pour cette performance, effectivement, qui n'est pas qu'une performance physique, ni technique. On le voit. Alors on pourra revenir sur cette question de rapport entre technique et rituel dans la discussion. Voilà, savoir est-ce qu'une conférence est une technique, est un rituel. Enfin, bon, voilà. Mais je voulais, enfin, qu'on utilise un peu la fin de cette première partie avant la discussion qu'on aura avec vous, pour essayer de se poser la question, finalement, qu'est-ce que cette notion de technique du corps, proposée par Marcel Mauss en 1934, est-ce qu'elle est encore pertinente aujourd'hui? Est-ce qu'elle a du sens pour les enquêtes en anthropologie, en sciences sociales, plus généralement aujourd'hui? Peut-être que Nathan, tu veux commencer là-dessus. Oui, je veux bien commencer avec cette question qui est à double entente, puisque d'une part, relativement peu de citations directes, me semble-t-il, de ce texte sont présents. En fin de compte, le texte est redécouvert, entre guillemets, dans les années 50. Il a une histoire un peu bigarrée, disons, dans les sciences humaines et sociales. En même temps, ce qui est très fort avec ce texte, c'est sa capacité de montrer, selon la phrase que j'ai citée, il n'y a rien de naturel. Donc c'est... aider les sciences sociales à se hisser au-dessus du dualisme qui pendant très longtemps, les maintenait. Il n'y a rien de naturel, il y a différentes façons de faire, il y a la modalité, et c'est ça qui doit intéresser l'anthropologue, la latitude, les raisons pour lesquelles il y a des différences dans le traitement du corps, en tant qu'objet décoré, par exemple, ou objet avec lequel on danse, et aussi des façons dont on utilise le corps pour toute une gamme de choses. Un autre aspect qui est frappant dans le texte de Marcel Mauss, c'est le fait, je crois que j'ai mentionné, qu'il est issu d'une conférence que Mauss donne à la Société de psychologie, la Société de psychologie normale et pathologique, comme elle s'appelait alors, dans les années 30. Et donc, il va exprimer ce que l'on appelle aujourd'hui l'interdisciplinarité. Alors aujourd'hui, l'interdisciplinarité, c'est un peu un dictat institutionnel en grande partie, mais Mauss est capable justement de montrer comment adapter autour du corps plusieurs points de vue, donc le point de vue biologique, physiologique, le point de vue psychologique, le point de vue social, pour justement arriver à cette notion qui est la sienne, cette notion de l'homme total, qui est compréhensible en fonction de ses diverses facultés. Donc je pense que c'est un apport qui était indispensable dans les années 30 et qui est toujours avec nous aujourd'hui quand on peut rapprocher des sociologues, des anthropologues physiques et évidemment aussi des historiens, des philosophes autour des problématiques qui intéressent l'étude de l'homme dans toutes ses dimensions. Plus spécifiquement aux techniques du corps, il y a eu quand même quelques travaux pertinents. Il y a le travail de André-Georges Audricourt, qui était un élève de Marcel Mauss, qui agronome, linguiste, qui travaille dans la société asiatique et qui s'intéresse notamment à la façon dont on porte le portage et le mouvement. Est-ce qu'on porte avec des bretelles? Est-ce qu'on porte autour de la tête? Comment est-ce que le transfert de poids, d'objets se fait dans différentes sociétés? Avec quelles implications cela peut avoir? Alors évidemment, vous imaginez le portage, donc l'habit, les formes d'habits et différents types d'organisations, plus ou moins d'infrastructures, mais aussi d'organisations sociales qui vont dépendre, qui vont être le reflet de cette conception. Une autre dimension très importante, c'est celle que soulève Claude Lévi-Strauss, donc, qui nous accueille ici dans son auditorium. Claude Lévi-Strauss désire dans les années 50 que l'UNESCO, qui vient d'être créée en 48, fasse un registre mondial des techniques du corps.
pour que l'on comprenne et pour que l'on répertorie comment différentes sociétés utilisent le corps avec ou sans instrument pour en maintenir un catalogue. Et ça, c'est dans cette logique qui est très importante. Évidemment, c'est la logique des archives de l'humanité en voie de transformation, hein, puisque de plus en plus, certes, des pratiques traditionnelles associées au corps sont en train de disparaître et au contraire vont se lever des nouvelles pratiques associées à des nouvelles technologies, par exemple. Et tout ça, selon Lévi-Strauss, mérite d'être retenu. Une autre dimension, c'est donc, Pierre l'a mentionné aussi, donc c'est André Leroy-Gourhan, qui est technologue et préhistorien, et qui va lui aussi, dans un célèbre livre, hein, Le geste et la parole, ça vous rapproche un peu de cette thématique, qui va essayer de montrer comment le comportement technique, les agissements des acteurs techniques avec leur corps fait partie des sommes de connaissances auxquelles doit accéder l'anthropologue d'une part et le préhistorien de l'autre. Et enfin, le dernier point, si je peux, Benoît, c'est justement pour rebondir sur la façon dont toi tu as rebondi sur les écorces qui sont, on a vu des photos, comment on décorce les arbres, c'est ça, on enlève l'écorce des arbres en Australie, et tu as fait remarquer qu'il y a ici plus haut, après la conférence, et vous allez pouvoir voir des écorces. Et je pense que la notion technique du corps nous rappelle de la distance qu'il y a entre notre discussion actuelle ici et les vitrines, hein, les vitrines d'un musée qui ne contiennent que des objets. Hein, et alors, dans certains cas, des objets qui ont une prédominance, si vous voulez, esthétique, qui sont appréciés par nous et voulus par leur créateur comme des objets de contemplation, mais dans beaucoup de cas, des objets qui font partie justement de processus, que ce soit des processus rituels ou des processus techniques, dans le cas de quels on peut d'une part se rendre compte de la perte, de l'absence qui est représentée par l'objet figé dans sa vitrine par rapport à l'objet vivant dans son contexte d'activité. Donc, à la fois un élément de nostalgie, mais aussi un élément, évidemment, d'espoir et de programmation scientifique, puisque c'est précisément la façon dont on va pouvoir, c'est l'enjeu, je ne sais pas si tu vas m'accepter, mais c'est l'enjeu d'un musée aujourd'hui, notamment, c'est d'essayer de voir comment est-ce que, de différentes façons, hein, comment est-ce qu'on peut animer les objets qu'ils contiennent. Beau programme. Je pense que c'est une des choses qu'on essaie de faire dans ce musée aujourd'hui. Oui, peut-être pour prendre deux exemples en fait de pertinence aujourd'hui de cette notion de technique du corps, avec d'abord sur la question de la danse d'une part, mais ce qui est présenté par exemple dans toutes les têtes chercheuses ici, vous avez beaucoup de choses sur la danse qui sont très intéressantes pour illustrer cette notion. Mais les gens qui l'utilisent spécifiquement, je pense d'une part à l'anthropologue Julien Clément, qui sera ici tout à l'heure, qui a travaillé sur le rugby à Samoa, sur l'apprentissage effectivement du rugby, et d'une façon qui lui-même a pratiqué le rugby en France, et donc a simplement montré que les techniques d'apprentissage du rugby dans son club, alors je crois que c'était à Paris, à Samoa, ne sont pas les mêmes. Et là, effectivement, c'est une notion opératoire pour pouvoir justement prêter l'attention aux gestes de l'apprentissage, à cette notion et à cette dimension technique. Et un autre chercheur qui, lui, est sociologue, mais très ethnographe, qui est Emmanuel Chauté, qui, lui, a travaillé sur les coureurs de fond marocains. Et on disait, pourquoi est-ce que les coureurs de fond marocains sont très très bons? Alors, est-ce que ce serait génétique, par exemple? Enfin, il y aura aussi, Manuel Chauté ne sera pas là, mais il y aura Jean-Baptiste Texet qui lui va parler des coureurs kényans cet après-midi. Mais donc, Manuel Chauté disait, non, en fait, bon, il y a d'une part, il y a des questions d'infrastructures, d'efforts, d'investissements, mais lui-même était aussi un coureur de fond. Et donc, il y a les techniques respiratoires qui sont très importantes. Et donc, quand on court, apprendre à respirer d'une certaine façon, apprendre à compter,
contrôler à la fois sa respiration, son nombre de battements de cœur et le moment et toute la technique du coureur de fond, et justement de ne pas donner tout son effort au départ, mais de savoir doser son effort et savoir mesurer ça. Et ça, c'est des techniques, effectivement, qui s'apprennent. Donc le sport n'est pas uniquement le fait de gens qui sont doués physiquement et qui arrivent, effectivement, qui sont très forts, mais bien sûr, c'est aussi le cas, mais c'est aussi d'arriver, par cette technique du corps, justement, à transcender, à dépasser ce corps qui est un peu ce programme. Je sais pas si Pierre, tu voulais dire un dernier mot avant qu'on laisse la parole au public. Oui, 55 secondes pour dire le dernier mot, ça va être super. C'est quoi aujourd'hui l'intérêt des techniques du corps? Bon, on peut rappeler que le comparatisme sous les auspices de l'UNESCO, c'est toujours pas au point. L'inventaire des moyens élémentaires d'action sur la matière pour le roi Gourand, c'est toujours pas au point, c'est le moins qu'on puisse dire. Moi, je vois deux implications de ce qu'on vient de dire là pour l'avenir proche pour ce qui me concerne. J'ai eu d'autres initiations à comparer avec celle-ci, avec celle que j'ai montrée, les Barouillas, et ce qui m'a frappé, c'est que des actions physiques et mécaniques identiques, touillées, délayées, secouées, poser un objet sous le nez un peu violemment, se retrouvent dans d'autres rituels qui font tous à peu près la même chose de ce que je vous ai raconté, tout à l'heure, à des moments différents. Comment varient ces actions physiques sur la matière et sur les corps lorsque des gens qui, grosso modo, se ressemblent tout à fait comme les Hangas de Nouvelle-Guinée, ont chacun développé leur propre système d'initiation? Et alors l'autre question dont je dirais bien deux mots, c'est, on l'a rappelé tout à l'heure dans la phrase de Marcel Mauss, tout le monde sait tout faire. Mais on n'y a pas suffisamment réfléchi, à mes yeux. Dans l'histoire de l'humanité, la mise en place des spécialités, des spécialisations, elle est cruciale. Et comme l'a expliqué un de nos collègues Charles Sepanoff à propos des pays du Grand Nord, il peut y avoir des spécialisations uniquement dans le domaine de l'invisible. Qu'est-ce qui se passe lorsque les gens cessent de tout savoir faire? Non seulement ils savent tout faire, mais ils effectuent des chaînes opératoires du début à la fin. Le monsieur, je prends un monsieur parce que c'est l'exemple qui me vient à l'esprit, le monsieur qui coupe un arbre dans la forêt, c'est lui qui va en tirer des planches, c'est lui qui va construire la maison ou une plateforme mortuaire, c'est lui qui auparavant avait choisi la branche ayant la bonne forme pour faire une herminette, c'est lui qui avait produit du sel végétal Barouilla ou aidé à produire de la monnaie de sel végétal pour obtenir la lame d'herminette, c'est lui qui l'a monté l'herminette. Les gens non seulement font des chaînes opératoires, mais ils les font parcourent et décrivent et mettent en pratique, en œuvre avec leur corps des chaînes opératoires, mais ils le font potentiellement tous les jours. Et tout le monde sait tout faire. Qu'est-ce qui se passe lorsque je passe d'une culture matérielle où je sais que tout le monde sait tout faire de façon quasi quotidiennement, même s'il y a évidemment des différences entre les hommes et les femmes. Je n'ai pas vu beaucoup de femmes manipuler un arc, j'ai vu très peu d'hommes accoucher, donc ça fait des différences assez précises. Qu'est-ce qui se passe quand on abandonne une partie de son contrôle lorsque l'on délègue certaines manières d'engager mon corps dans le quotidien matériel jusqu'à nos sociétés où plus personne n'est capable de... Enfin, essayez de fabriquer une salade d'endives avec les endives de votre jardin et l'huile de vos olives et vous verrez que vous ne pouvez pas. Il y a un exemple célèbre, et j'arrête là, de un type il y a une dizaine d'années qui a essayé de construire un grille-pain tout seul. Et au bout d'un mois, il a laissé tomber. On a abandonné ce type de société dans lequel tout le monde savait tout faire et on ne peut même pas imaginer ce que ça représente de vivre dans un monde où tout le monde savait tout faire. Et bien évidemment, le dernier point, la multidisciplinarité, oui, fort bien. Qu'est-ce qui se passe quand je frotte un gamin avec des orties? En quoi le fait d'être frictionné d'orties stimule ma mémoire et ma co-présence et ma co-action éternelle avec d'autres initiés? Ça, nous ne le savons pas encore. Merci. Alors, voilà, donc maintenant, c'est à vous de poser des questions. Il y a un micro qui est dans, il y a des micros qui sont dans la salle, hein, qui peuvent tourner. Donc vous levez la main et on vous les apporte. Bonjour. Vous venez du CNRS et vous représentez le musée Branly. Vous y avez des postes de direction, donc.
dans ces grands organismes, il y a des principes, des process, des procédures, des règles. Est-ce que vous y observez des rituels ? Oui, enfin, de toute façon, je pense que toute institution a besoin de rituels. Un des rituels auxquels j'ai pu assister, par exemple, c'est la cérémonie des vœux. La cérémonie des vœux, toute institution fait effectivement cette cérémonie et le président qui est d'ailleurs ici, effectivement, fait rituellement des vœux à la fois professionnels pour l'institution et pour les personnes qui sont là et en souhaitant que l'année se passe bien. C'est typiquement effectivement un rituel qui est un rituel qui se pratique d'à peu près toutes les institutions de France, en tout cas à mon avis. Parfois vous avez aussi la galette des rois qui est aussi un rituel intéressant dans les institutions publiques, tout à fait pratiquées. Merci. Dans la série des rituels du rôle des musées, d'expliquer, d'exposer, de faire partager, je voulais signaler qu'au MUCEM à Marseille, la dernière vitrine de l'exposition qui s'appelle « Autre histoire du monde » est une manière de ritualiser le regard, non seulement celui que nous portons sur les objets, mais dans la vitrine vide, où derrière les vitres, on vous invite en tant que visiteur à se placer dans la vitrine et à devenir un objet de regard, explique et complète toute l'exposition. Et je trouve là qu'il y a un rituel qu'il faut multiplier. Merci, je n'ai pas encore vu l'exposition du MUCEM. Ce que vous dites me fait penser à une autre chose qui était quelque chose qui a été fait au Tropen Museum à Amsterdam, où on a repris la technique des mannequins qui ont été très utilisés dans les musées d'ethnographie autrefois et qui ont été effectivement vus comme stéréotypant un peu les gens. Et là, en fait, les gens qui sont présentés en mannequins, ce sont des personnages coloniaux de la colonisation néerlandaise en Indonésie. Donc vous avez, si vous vous souvenez bien, un général, une institutrice, qui sont faits de façon extrêmement réaliste jusqu'au poil de la moustache du gouverneur qui est dans son beau costume blanc et qui justement en fait aussi fait fonctionner de façon réflexive cette question, ces techniques de muséographie du passé et avec le corps justement qui est mis en avant très fortement. D'autres questions, remarques de... Je ne sais pas si vous voulez rebondir sur... Non, si tu as des... Peut-être... Oui, il y a une question là-bas, je vois. Merci. Dans le temps, est-ce que la société Barouilla change beaucoup par l'influence de la mondialisation et du contact avec les ethnologues? Est-ce qu'elle change ou elle reste stable? Ça, pour changer, elle change. Maurice Godet écrit un bouquin qui doit s'appeler « En attendant Jésus » ou « Je crois que c'est... » Non, je ne suis pas sûr. Ou « Jésus et moi et les autres » ou « Je ne sais plus le titre ». Mais il a publié il y a 10 ans un livre sur les changements. Alors, c'est une très bonne question, vous avez parfait. Il faut bien voir, pour relativiser ce que je vous ai montré, les Ankavéanga, qui sont des gens paumés, qui n'ont toujours pas de route, qui n'ont toujours pas d'école, qui commencent à avoir un missionnaire, ils commencent aussi à avoir un missionnaire, qui commencent à avoir des infirmiers, ils sont à 3 jours de marche de la plus proche route, et ils sont littéralement, aujourd'hui encore, aux marges de la modernité, même si j'ai reçu un mail il y a 3 jours m'expliquant que l'un des petits garçons des initiations de 1994, ou plutôt plus tard encore, et il a fait 12 ans d'école, il est en terminale et il voudrait être pilote. Donc ça, c'est inouï. Chez les Barouilla, le changement est intervenu. Le premier contact, c'est 51. 61, il y a une piste d'aviation. 61, il y a le premier missionnaire américain, dont une dame qui apprend à une douzaine de gamins à parler anglais. Ces gamins sont devenus administrateurs, avocats, infirmiers, agents du service de l'agriculture et toutes sortes de choses. Les initiations, les dernières que j'ai vues, non pas j'ai vues, dont on m'a parlé, c'est 2013, mais le système s'effondre bien évidemment.
parce que il y avait 5 dénominations chrétiennes dans la vallée, et les gens vous expliquent que seul Jésus a le pouvoir de transformer les êtres et les personnes, et certainement pas le machin qui sont les coïmatniers donnés par le soleil. Ces initiations ont lieu en 2013, encore plus de 50 ans, je ne peux pas calculer là, après le premier contact, parce que précisément, comme il y a des éléments physiques redondants, je perce le nez, ou je frotte avec des orties, ou je fais je ne sais plus quoi, ou je cingle, etc., ou je mets une cape, il suffit que vous ayez 2 de ces affaires-là pour que vous puissiez faire en sorte que le système persiste sans s'effondrer. Mais les barouillas aujourd'hui, les années où le prix du pétrole est bas, c'est-à-dire le prix de l'essence est bas, les avions peuvent venir chercher du café, et les années où le prix des avions est bas et le prix du café est haut, il y a des gens qui accumulent de l'argent et on ne sait même pas trop ce que devient cet argent. La route, en 79, Godelier et compagnie ont organisé cette initiation, les barouillas avaient dit, nous on voudrait bien un camion, un petit Toyota à plateforme, un petit plateau Toyota. On a apporté le Toyota plateau et il est resté là-bas. Parce qu'il y a eu la guerre en 83, la route est coupée en 83 et il n'y a toujours pas de route qui passe. Bien sûr que la société change. Le mariage a changé. Dans le temps, c'était de l'échange du mariage par échange des sœurs. Je te donne ma sœur et j'épouse ta sœur. Le mariage avec prix de la fiancée s'est développé depuis 20 ou 30 ans. La collègue Anne-Sylvie Malbran, qui a travaillé chez les Barouillas au tout début des années 2010, dit que des choses qu'on n'avait jamais vues avant, comme les viols, se multiplient. Oui, ça se transforme fabuleusement. La société dans laquelle je travaille, et je ne retournerai pas parce que pour moi c'est trop triste, mais ce que je vous dis là c'est tout à fait personnel, c'est quand vous n'initiez plus les petits garçons et quand vous n'êtes pas encore chrétien, les gens s'embêtent, mais ils s'ennuient, c'est terrifiant. Et moi je ne suis pas venu étudier des gens qui s'ennuient et un système qui se délite. J'aurai 25 ans, c'est probablement ce que je ferai, mais comme j'ai encore des carnets de notes remplis, je fais autre chose. Donc oui, ça change. Très vite. Et alors, un dernier mot. La modernité, c'est l'État qui vous dit qu'il ne faut plus faire la guerre. C'est l'Église qui vous dit vous avez une arme et voilà comment la sauver. C'est le marché qui vous dit ce serait bien d'aller travailler en plantation. Au bout de 2 ans de boulot, vous pourriez revenir avec une machette, 2 serviettes d'éponge, un poste de radio. C'est super, allez-y. C'est la santé. Les gens adorent être soignés. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Mais tant chez les barouillas que chez les encavés aujourd'hui, la mortalité infantile reste de l'ordre de 300 pour 1000. C'est la France en 1800. Un bébé sur 3 ou un bébé sur 4 n'atteint pas l'âge de 1 an. C'est absolument monstrueux. Et le point 5 de la modernité, c'est l'école. Et une fois que l'école est passée, et nous, on adore tous l'école, faut l'école, vive l'école. On a aidé à construire une piste d'aviation avec Pascal Bonnemer chez les encavés de façon à ce que les gens aient un infirmier et un instituteur. Vive l'école. Mais une fois que des petits gamins saluent le drapeau en chantant en anglais, le monde ne sera plus jamais comme il est. Ce qui importe de comprendre, c'est pourquoi, dans une société comme les Barouillas, 50 ans après l'arrivée des missionnaires, les gens initiaient encore les petits garçons, alors que chez les Sambias, qui sont tout comme les Barouillas, sauf qu'ils ne sont pas pareils, à 2 jours de marche de là, les initiations sont arrêtées immédiatement. Les gens ont dit, c'est pas possible, les petits garçons vont parler avec les petites filles, à l'école des Adventistes du 7e jour, on arrête tout. Et mon collègue Gilbert Hertz, qui est le spécialiste des Sambias, il écrit 5 livres et le 6e va bientôt sortir, dit dans les années 2000, les gens ne se souviennent même plus de ce rituel fondamental sur lequel les anthropologues ont écrit et qui a fait leur réputation. Donc c'est assez intéressant, ça rend modeste. Peut-être avant de vous redonner la parole, monsieur, une remarque plus générale, effectivement, sur cette importance de la question de l'histoire et de la prise en compte de l'historicité effectivement des sociétés, puisque là, comme on l'a dit, on a montré des photos, Nathan a insisté sur des photos donc des années 1910-1920, Pierre a aussi daté ces photos et montré et contre parfois effectivement des représentations médiatiques qui inventent des gens qui seraient restés en quelque sorte hors du temps à l'âge de Pierre. Et c'est vrai aussi que de façon générale, il y a eu des changements en anthropologie. À une époque, l'anthropologie effectivement a insisté beaucoup sur la question de systèmes qui seraient autres en les pensant un peu de façon statique, en mettant l'accent sur les relations entre différents symboles, techniques, etc., comme un système à un moment statique. Et depuis, plus récemment, la question de l'histoire est devenue beaucoup plus importante et on dit finalement effectivement ces sociétés, elles ont pu par exemple avoir un impact
de choses occidentales avant même le contact avec les sociétés européennes. Il peut y avoir aussi, par exemple, la question des transformations religieuses. Il peut y avoir des missions, avant même qu'il y ait des missionnaires européens, il peut y avoir des missionnaires autochtones qui eux-mêmes sont allés porter la bonne parole, parfois en la transformant ailleurs. Et donc, l'attention dans les années, on va dire, récentes de l'anthropologie à tout cet ensemble de transformations, du fait que les sociétés sont en mouvement, en fait, depuis toujours jusqu'à aujourd'hui, est devenue beaucoup plus importante. Et vous vouliez reprendre la parole, monsieur. Merci. La consommation d'alcool, est-ce que c'est un impact dans la société? Les immenses problèmes de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est le pays indépendant, démocratique et totalement corrompu, du sol au plafond, c'est d'abord l'immense violence faite aux femmes à tous les niveaux de la société. C'est des guerres intertribales. Vous avez peut-être vu dans les journaux, il y a 10 jours, 52 ou 82 morts, parce que les gens se ballent. Dans le temps, ils utilisaient les homemade guns, c'est-à-dire un tuyau de chauffage avec une cartouche de 12. Maintenant, ils ont des armes automatiques et c'est absolument terrifiant. Il y a du trafic de drogue également. Tout le monde boit de la bière en Papouasie-Nouvelle-Guinée, sauf les adventistes du 7e jour. Et en effet, c'est une des mauvaises habitudes australiennes qui a envahi le pays. Donc si vous avez vous avez de la bière et de la mauvaise marijuana, ou je ne sais plus si c'est de la bonne marijuana et de la mauvaise bière, je ne sais plus du tout, mais c'est absolument terrifiant. Et l'autre problème, c'est l'absentéisme qu'on ne peut pas régler, en parler sociologiquement en disant c'est de la corruption. Bah oui, les gens, si tu veux, ne prennent pas leur poste, et les infirmiers ne prennent pas leur poste, et le ministre des Forêts se laisse soudoyer pour laisser couper des forêts. Comment et pourquoi, dans une société, les gens sont prêts à se faire corrompre de cette manière-là? C'est ça qu'il faut expliquer. Et quand on l'explique, on remonte à 30, 40 ou 50 ans, en passant par les guerres tribales entre deux ou trois groupes, deux ou trois clans. Un de mes collègues, Yadran Mimika, a fait un rapport là-dessus. C'est extraordinaire. Il ne s'agit pas de dire le nouveau député est corrompu. Si on lui paye des séjours de 8 jours à Singapour, il sera très content. Non. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas le contrôle social des autres sur lui? Alors bonjour, déjà merci pour la conférence. Je voulais vous poser une question, j'ai peur qu'elle ne soit pas forcément en rapport avec la question des rituels ou des techniques, mais je voulais savoir en tant qu'anthropologue, comment on se situe dans une société comme les Barouya, qui est soumis à des violences comme la guerre ou enfin des pratiques plutôt violentes, et qu'en tant qu'anthropologue, est-ce qu'on est mis à l'extérieur de ces violences ou est-ce qu'on est entièrement impliqué dedans? Voilà, merci. L'implication première, dans mon cas, là vous me parlez à moi, l'implication première, c'était quand on a montré les Ankavéanga comme des crétins de l'âge de pierre qui ne connaissaient pas le feu, il fallait réagir. Parce que c'est des potes, moi j'ai pas d'amis qui prennent une cuillère à soupe à l'envers ou qui mettent leurs doigts dans une flamme parce qu'ils ne la croient pas réelle. Donc ça, c'est vraiment une implication dure. Quand un type au matin, parce qu'il y a un taux de suicide effarant, il y avait un taux de suicide effarant chez les Barouya, quand on entend quelqu'un hurler à 6h30 du matin, ah ben je m'en vais, et qu'on sait qu'il va aller se pendre à l'horizontale en se balançant, en s'accrochant à un tronc d'arbre, on sort assez rapidement de sa maison pour intervenir. Quand j'ai vu des gens qui menaçaient de se foutre des flèches dans le ventre les uns les autres, un jour où les combats ne sont pas graves, on n'en est même pas encore à une forme de vendetta, c'est le jour où les flèches pourraient blesser accidentellement. Je leur dis si vous pouviez vous mettre d'accord de façon autre. Vous pourriez poser la question des initiations masculines. Parce que c'est violent, c'est des formes de brimades, c'est sûr. Moi, je ne sais pas s'il faut à coup sûr des brimades pour fabriquer des bons guerriers solidaires, j'en suis pas certain. Là, il n'y a pas d'intervention. La santé des gens, bien sûr qu'on intervient. Une journée d'anthropologue en Nouvelle-Guinée, ça commence le matin par essayer de soigner les gens, parce qu'un ulcère tropical, ça vous empêche d'aller dans votre jardin pendant 10 jours, parce qu'une pneumonie, ça tue les gamins, et parce que le paludisme, ça tue tout le monde. Donc, bien entendu qu'on intervient. Sur la guerre, je dois avouer, puisqu'il y a prescription, que nous avions un poste de radio en 1983, Jean-Luc Laurie et moi, de la même fréquence que la police. Donc quand on entendait les administrateurs papous, c'est indépendant depuis 1975, dire « on va venir en hélico demain matin à 6h », Jean-Luc et moi, on disait « oh, peut-être un bon jour pour que tout le monde aille dans la forêt finalement ». Et donc les femmes enceintes, les vieillards, tout le monde. Ce qui fait que quand les gendarmes arrivaient et balançaient des grenades de façon très équitable, grenades incendiaires, de façon très équitable, dans les maisons des Yuwarunatché, qui sont nos ennemis, et dans les maisons des Barouya, les maisons étaient vides. Et j'ajoute, parce que ça dit quelque chose de la confiance inouïe
qui existe parfois, parce que la mode, c'est de dire le contraire, la conscience inouïe qui existe entre les anthropologues et les gens chez lesquels ils travaillent, quand il y a eu la guerre en 1983 et que donc les gendarmes volaient le matin pour brûler les maisons, à la nuit tombée, des gens faisaient toc, toc, toc. Ils nous donnaient les colimaçons donnés par le soleil pour qu'on les mette dans nos cantines. Donc quand on vous dit les anthropologues passent leur vie à se faire avoir par le monde, pas du tout. Parfois, ils sont l'ultime recours contre certaines violences. Mais on n'a pas. Je ne sais pas pourquoi les gens, pourquoi certaines sociétés de Nouvelle-Guinée ont décrété que la guerre n'était pas infinie et qu'il y avait des procédures de paix. Je ne suis pas capable, bien entendu, personne n'est capable, et surtout pas les églises nouvelles qui n'ont aucun poids en ce domaine, d'empêcher les Yuwaronatché de réclamer le territoire que l'ont piqué les Barouillas en 1905 ou des choses de ce genre. Donc intervention, oui, mais si vous intervenez, on aurait dit par exemple, ah ben finalement ça ne me plaît pas du tout, moi, qu'on personnait des petits garçons. C'est vrai, hein. Choqué, moi aussi. Alors, bien, écoute, Pierre, tu connais le chemin. Tu es venu avec le premier Toyota qui est jamais parvenu dans la vallée. C'est bête parce qu'il va falloir que tu traverses le territoire des ennemis, mais au revoir. Au revoir. Il y a 1000 personnes qui ont envie de faire un rituel. Donc. Il y a une question là-haut, je crois. Oui, bonjour. Merci d'abord. Et puis, ma question de Béotien, je vous préviens. Elle est pour vous trois, vous deux. Ce que vous avez étudié dans ces sociétés, est-ce que vous-même ou vos étudiants en ont fait des applications pour comprendre mieux nos sociétés à nous, et est-ce que vous en avez un exemple? Oui, moi j'ai donc. En un sens, c'est l'objectif même de l'anthropologie. C'est-à-dire, effectivement, l'anthropologie, c'est d'essayer, par la comparaison entre ce à quoi l'anthropologue dans sa propre société est habitué, les choses qui vont de soi, et la surprise, voire l'étonnement, quand on dit voilà, l'ethnologie va vous surprendre, en fait, cette surprise, elle est constitutive de la discipline, parce que c'est la différence entre ce que j'ai intégré depuis ma naissance et ce que je vais voir en allant ailleurs, qui crée justement une question qui, du coup, aussi en retour, se pose sur nos propres sociétés. Donc, j'évoquais la question effectivement des techniques du corps du point de vue sportif. Enfin, c'est là où on peut, cette notion qui naît de la comparaison que fait Marcel Mauss entre la façon dont lui a appris à nager en avalant l'eau et la crachant par la bouche et d'autres façons de nager, de la différence entre la façon dont lui marche avec des souliers et il voit en Kabylie des gens qui descendent avec des babouches. En courant et sans tomber, et c'est donc cette interrogation, elle est là. Et aussi, ce qui est important, c'est que, donc là j'évoquais effectivement l'étude de rugby à Samoa. Vous aviez hier un jeune chercheur qui présentait ses travaux sur le rugby féminin à Sarcelles, avec des photographies, et donc les questionnements qui sont faits, qui sont posés, sont rétroactifs. Et c'est l'idée même de l'anthropologie, de mieux comprendre des façons de faire avec cette façon d'internaliser, d'incorporer cet étonnement, c'est-à-dire justement de prendre de la distance par rapport à ce qu'on va avoir comme évident, et d'essayer aussi de suspendre des formes de jugement moral qu'on peut avoir par rapport à une pratique, en disant finalement effectivement vous n'étudiez pas pour dénoncer ou des pratiques, mais pour essayer de les comprendre en voyant que c'est une des façons dont on peut être humain, par exemple en utilisant le corps d'une certaine façon. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Il y a une question aussi là-haut, je crois. Oui, merci beaucoup. Du coup, je me posais la question en vous écoutant du lien entre l'opposition entre technique du corps et rituel et le paradigme naturaliste. Du coup, ma question, c'était est-ce que opposer les rituels et les techniques du corps chez les Barouillas, par exemple, ça ne revient pas à appliquer une perspective naturaliste à des sociétés où le corps est indissociable de la nature et de la surnature? Vous avez certainement raison. Un des grands débats que j'ai eu avec le regretté Latour était de savoir si on avait le droit d'étudier les techniques pour elles-mêmes. Parce que tout est mélangé, et en effet, agir mécaniquement sur les corps pour transformer les rapports entre un gamin, sa mère, ses aînés, ses co-initiés, le soleil et la lune, parce que si la lune, Vénus et tout ce qu'on voudra, ça peut paraître un peu curieux. Mais si vous voulez comprendre comment ce rituel fonctionne,
comment il atteint ses buts. Les gens vous disent les buts. Il y a des buts qui sont dits par les gens eux-mêmes. Nous, on veut que les gamins soient forts à la guerre. On veut que les ennemis voient qu'on est très nombreux pour organiser un beau rituel. Et l'anthropologue ajoute, et puis ça maintient un système politique égalitaire au prix d'une effarante inégalité entre les hommes et les femmes. Et c'est nous apprend comment on construit une croyance. On ne construit pas cette croyance en disant « le soleil va vous transformer ». On ne construit pas la croyance en disant « la sueur qui est un signe va éliminer les influences féminines qui sont en vous ». On construit une croyance parce qu'on a remarqué que quand on empêche les gamins d'échanger des regards avec leur mère, quand ils ont été côte à côte pendant je ne sais combien de mois ou d'années, quand ils sont remplis de substituts de sperme, quand tout ce que je vous ai expliqué est refait et refait, alors les gens constatent génération après génération, rituel après rituel, donc ils croient à l'efficacité de ce qu'ils font. La question anthropologique théorique, c'est pourquoi ce truc est-il efficace ? Et en distinguant, même en étant odieusement naturaliste, en distinguant les actions physiques sur les corps des actions symboliques sur les corps, on commence à avoir une réponse. Et pour reprendre ce que disait Benoît tout à l'heure, bien sûr que décrire une manière de vivre de plus dans l'humanité, ça fait de mal à personne, y compris quand vous constatez que chez les Barouillas, bah, ils arrivent à vivre aujourd'hui ensemble à 2500 dans une vallée sans se foutre sur la figure, sans que les gendarmes viennent jamais, au prix des horreurs dont j'ai parlé vis-à-vis des femmes. Puis bien entendu, tous les travaux aujourd'hui sur les rapports entre nature et culture dans la suite de l'Escola et compagnie, vous avez bien remarqué que ça a un effet immédiat et direct dans la vie politique et dans notre vie à nous. Personnellement, je suis plutôt d'accord avec vous. En tout cas, je pense que l'opposition entre rituel et technique, elle n'est pas... Il y a le rituel et la technique. Il faut penser ça de façon... comme des pôles, en fait, comme des polaires. Et l'ensemble des actes de la vie sociale ont une dimension rituelle et une dimension technique qui est plus ou moins forte selon les cas. Et en fait, je pense que ces deux dimensions sont coprésentes et il faut arriver à le penser. C'est aussi ce que disait Malinowski, qui étudiait les rituels des jardins, qui sont à la fois ce qui permet de faire pousser les plantes et aussi ce qui permet, par exemple, de faire un calendrier, de donner le sens de l'effort aux gens quand ils font des formules. Et lui-même déjà insistait sur cette dimension-là, qui est valable chez les Trobriandais, qui est valable aussi chez nous. Et donc très souvent aussi, la question, c'est que des actes peuvent être présentés comme techniques, mais qui en fait, cette référence même à la technique peut être utilisée comme rituel. C'est-à-dire qu'effectivement, on dit, voilà, on fait ça parce que ça va marcher. Mais enfin, c'est intelligent, mais la question, la justification technique qui est mise en avant, et ça, c'est des choses que dirait effectivement Bruno Latour, peut en réalité avoir plus cette dimension rituelle de justification, de dimension, enfin, à la fois d'affirmation symbolique et de dimension politique. Donc le référence à la technique peut faire disparaître le politique. Et en cela, effectivement, on peut... Donc une question, c'est plutôt de dire qu'il y a le rituel et la technique, c'est dans quel cas on a intérêt à analyser quelque chose comme un rituel, ou dans quel cas on a intérêt à l'analyser comme une technique. Donc on fait passer la question du point de vue de ce qui est au point de vue des stratégies d'enquête et des stratégies d'intelligibilité du monde. Voilà. Et il nous reste 4 secondes, 3, 2, 1, 0, et la séance est finie. Merci beaucoup à vous. Oui, la conférence effectivement de Julien Clément, tête chercheuse, c'est en salle de cinéma, c'est ça, va commencer maintenant. Donc voilà, sans transition, vous pouvez aller voir une autre application de ce qu'on vient de présenter aujourd'hui.